Azana Bongo. Atamo kidebu mosale na emiso to mosale na. Amen. Amen. Eh, tamo sozoka ma papa wana na di bandi boy. Na basuki pembe ma mandevu pembe. Atika ko meta bonda te. Batika ka. Yoto ka so di mosale na zambe. Na ma kasi zana nzoto ko beta. Ta costume à cause de la toko pona ka pour la gloire du Seigneur. Bon, ma campagne mais dans la expérience personnelle que tu n'as jamais. Parce que ça va te communiquer ça. Eh bébé. Oana. Bon. Moi quand il va banki ça là. Abio a fait wana pour le papa. Moko non toki moko a cause la wana. Cause la ka bonga mi. Si pas le banga ta ko so bonga mi. Est-ce que vous pouvez me dire que vous avez là? Mais quand? Je vais gifler. Voilà ta classe spéciale. Voilà ce le Kumu. Voilà ce le Kumu. C'est ça la personne. Si vous avez dit que 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 Ma toi na yo zala lokola moye boli pe motema na yo surtout zala ma belé ki tok. Pe tout ce qui motema na zala ma belé ki tok te semence sur les ouya ata za malam ki ko produire lo ko te. Alo mola nyonso e ko ki ko zala obstacle pe te yo so sur la message ya de l'hôtel a disposé au vraiment favorable pour la kolanda message on pe ezala capital pour na yo sambela na kombo na Jésus Christ. Oui, Seigneur. Le sang pour la gaze a été fungola maïel et l'anga. Pourquoi il y a le Seigneur et l'homme pour qu'on ait échappé à la compréhension? Quelle que soit l'immersion à voler, moi, je vais inspirer mon thé. Yao. Mais moi, il y a un fungola maïel. Il y a une faculté au Pessana Daniel. Il y a pour comprendre même les écritures. Autant qu'à faire pour sa sens et un recolo. On peut s'en oreille, on a pour comprendre. Nous sommes comme ma carte dans mon encore, mon bon sali na yo, au colo Jésus Christ. Disposer mon thème à la le quatrième terrain, le terrain favorable pour yo. Ce qui est beau dire, beau t'en a tout comme ça, ton moto va faire mon kama. Oh Yahweh, ce qui est au terrain, mon soussou, aux Anzambé, au côté de la seconde Zambé. A bon délire, vous êtes la bonne dîme. A coupe de la colo, on considère mon fils, la monsieur Jésus-Christ au lobby. Amen. Amen. Tout est ici. Mon ligne à Mimedar Kiala, à l'Ingababé, à Ebongo, frère. Ah oui, à Yagote. Tout est ici, ma gardienne à frère, à Bissot. Et le bonheur, mon bon, mon Nicota. Le Seigneur a saisi encore afin que nous puissions nous revoir le soir, que la gloire lui soit rendue. Tous les temps, nous avons
ce temps. Nous n'avons pas obtenu ce moment par nos propres efforts. Mais appuyé soit ligué tous à la. Mais parce qu'il a plu Jésus-Christ que nous soyons là. C'est pourquoi nous lui rendons des actions de grâce. Nous glorifions son nom. Parce que son nom est au-dessus de toutes choses. Parce que c'est lui. Hors de lui, il n'y a point de salut. Le salut n'est que chez Jésus-Christ. C'est un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Le nom Jésus-Christ. C'est le nom au-dessus de tout nom. Dans ce siècle présent. Et même Amen. Le peuple a traversé à sec. C'est le nom-là de Jésus-Christ. C'est le grand nom, le nom tellement grand. Il est tellement grand, bien-aimé. Le Dieu parfait en tout. Il faut savoir confesser la grandeur de son nom. Parce qu'il est grand, bien-aimé. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna. 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 Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. La victoire. Jésus-Christ, notre Saint Sauveur. Jésus-Christ, mon bikis na biso kaka manko. Et tous les textes na biso. Et nous prenons notre texte. Dans le livre 21. Nous savons qu'aujourd'hui nous sommes le 25 novembre 2021. Nous allons continuer sur le sixième saut. Nous continuons sur le sixième saut. Par la grâce de Dieu. Nangolui en Zambé. Et nous allons content à moi comme Jésus Christ. Et nous faisons la lecture au nom de Jésus Christ. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième saut. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La ligne entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Que le Seigneur a béni cette lecture. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Offendu par la grâce de Dieu. Rassurons-nous par la grâce du Seigneur. Le matin, Zalaki Kosolo, Osée 6.
dans verset 5. Le matin, nous étions en train de nous entretenir sur Osée 6, le verset 5. Là-bas, lorsque nous avons fait la lecture, l'Écriture nous avait dit, nous avons encore aujourd'hui, le soir, ce soir-ci. Nous reprenons encore la même Écriture le soir. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je ne frapperai par les prophètes. Yango na kubetaka bango na nzela basakoli. Je les tirerai par les paroles de ma bouche. Na kubumaka bango na nzela maloba monoko na ngai. Et mes jugements éclateront comme la lumière. Bibi sabiselo na ngai kubima na poisa lokola pole. Donc cette écriture les ont confirmé biso que Zambé a frappé par les prophètes. Cette écriture nous confirme que le Seigneur frappe par le prophète. Et Nanzela ya parole à Pessi, ma prophète. Et au moyen de la parole qu'il a donnée à ses prophètes. Et Tozoaki et Komi en Zambé. Et nous avions pris les écritures de Dieu. Dans le livre ya Exode chapitre 19. Dans le livre de Exode chapitre 19. Tobandaki na verset 9, Tokenaïti na verset 17. On avait pris le verset 9 jusqu'au verset 17. Là, tout à l'issagé. Là, nous avions montré. Dans mon Zambé, Azokita, Poya, Kopesa la loi à Israël. Lorsque le Seigneur descendait pour venir donner la loi à Israël, sur la montagne de Sinaï, Azalaki, Kolobela et pas Moïse, le Seigneur parlait à Moïse, mais peuple les Amoyoka, Soria, trompette. Mais le peuple écoutait le son de la trompette qui retentissait. Par là, nous avions compris que la voix de l'Éternel, Mongongo na Yahweh, est comme la trompette. Et c'est comme le son de la trompette. Donc, dans Zamba Zoloba, donc lorsque le Seigneur parle, Moïse kakanda yoki le lingue vraiment lobi. C'est Moïse seulement qui a écouté distinctement. Mais Mongongo ana est commis devant le peuple. Mais devant le peuple, cette voix-là. Peuple bayoki trompette. Mais le peuple a écouté le son de la trompette. Là, le Seigneur a zala ekotali c'est que sa voix c'était trompette. Wanakula zala ekotali c'est que Mongongo na esali koula maekelelo. Et toi avançant qui par la grâce de Dieu. Et on avait avancé par la grâce du Seigneur. Besoin qui texte. Juge. On avait pris les textes de Juge. Et ce qu'on Juge, chapitre 6. Et en lisant Juge, chapitre 6, le verset premier. Et le verset premier. Nous la mention que Israël a salaki mabé et puis Israël qui a été en esclavagisme et à Madianite pendant 7 ans. Là, on fait mention d'Israël qui avait désobéi et qui avait fait qu'il puisse demeurer les esclaves de Madian. Pendant 7 ans. N'attends que verset 1. Je lis le verset 1. Il y a Juge 6. Juge chapitre 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Christ. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans. Bamvula Sambo. Dieu a ça la loco pour un but. Le Seigneur fait toutes choses pour un but. A ça la loco pambate. Il ne fait pas une chose en vain. Il faut yembaboye que tamutotamaka Hébreux 1, verset 1. Il faut savoir que lorsque nous lisons Hébreux 1, le verset 1, on a balobi autrefois. Natangwakala. De plusieurs reprises. Nakobande la balé. De plusieurs manières. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et Azolobela aujourd'hui par les fils. Mais aujourd'hui nous a parlé par le fils. Et ce que nous saisissons dans cette parole. C'est que le Seigneur parlait dans le prophète de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Donc, jardin. Dans un, il était venu aussi donner le songe à Pharaon. Dans Genèse 41. Dans Genèse 41. Pharaon a l'otindoto. Pharaon a eu le songe. À Moni Banyama. Il a vu des animaux. Septième.
réveillé de son sort. Alali lisusu na même bouton. Il s'est rendormi dans la même nuit. Alodi encore. Il a eu un autre songe. Maboke ya banzete. Il a vu des épis. Sabogo ya malam. Dans cette cette épis en bonne qualité. Après amoni. Et puis il a vu cette épis maigre et de mauvaise qualité. Et les sept épis maigres engloutirent les sept épis de bonne qualité. Il a dit, regarde ou écoute les songes que fit Pharaon. Aucun sage n'a cour royal à Égypte. Motomo kote amayel et nanda kwa mukondi falo n'était capable d'expliquer. Akukati kupesa ndimbola ya ndoto ya falo. Soki Nzambe abongisi ya pesa solution na nzela na yo. Si le Seigneur a préparé de donner la solution par toi, bien-aimé. Ata batu baye milliers, milliers ba mokonga kote. Même si les gens viennent des milliers, des milliers, ils ne seront jamais. Kaka yo ndo mokonga eloko. Seulement toi qui parviendra. Ya mokonga okoloba que c'est par grâce. C'est pourquoi tu vas témoigner que c'est par la grâce. Nazuya mwana makasi. Je ne l'ai pas entendu par la force, mais parce qu'il avait pris à Dieu de faire ainsi. Et ça, c'est comme la vie à Bana Israël. C'est comme la vie des enfants d'Israël. Ils avaient l'habitude de garder leur jeune fille vierge. Et ça, culture et malin. C'était une bonne coutume. Moi, la cause à Zokola, mais pas en veiller naïe. Il peut y avoir une grandit, mais on veille sur elle. Mais la promesse est l'homme qui n'a Esaïe 7. Mais la promesse avait dit dans Esaïe 7. Dieu a zopé ainsi. Le Seigneur vous donnera ainsi. Une vierge deviendra enceinte. Kaka moi na moi si mon corps gondonda. Et enfantera un fils. Pe akobo taka moi na mobile. Et voyez baguer. Il faut savoir bien aimé. Tamu ya Marie. Du temps de Marie. Ma vierge basala qui peut. Il y avait aussi plusieurs vierges en Israël. Parce que c'était culture là-bas. Parce que c'était leur coutume. Mais ce qui Marie à Bonami. Mais si c'était Marie qui fut choisie. Il y a beaucoup à bénir sa grâce. Elle-même l'a appelé la grâce de Dieu. Au jeter les regards à miséricorde de Nangai Mutupa. Tu as jeté les regards de miséricorde chez moi une personne inutile. C'est ce que Marie avait dit. C'est ce que Marie avait dit. C'était la grâce de Dieu. Parce que ce qui est tanganyika galolenge ya kozala ngondo. Parce que s'il n'était cité que l'état de la virginité, les vierges étaient nombreuses. Mais parmi les nombreuses vierges, l'Écriture ne cherchait qu'une seule. Et le Seigneur l'avait préparé pour Marie. De la même manière aussi aujourd'hui, les doctrines peuvent être nombreuses sur la terre. Les enseignements peuvent être pléthores. Mais si le Seigneur s'est plu à nous, apprécie son parole. Il nous a donné sa parole. C'est la grâce. Et ça, qu'on doit s'arrêter. Ce n'est pas nous. Quel effort fou. Tango assemblée descend dans la parole. Lorsque l'assemblée descend dans la parole. Alloua quand des zambés ou accepter de jeter les regards à miséricorde. Elle loue le Seigneur qui a voulu jeter ses regards de miséricorde. Et pas là. Chez elle, l'assemblée descend. Ça y est, grâce. Et ça, qu'on loue tous une zambé. Et en gros, on peut s'en zambé, ma tout type. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur à tout temps. Maintenant, tant que Joseph a yagi. Maintenant, lorsque Joseph est venu chez Pharaon, bah, raconter d'auto. On l'a raconté le songe. Soko tangi, na verset 25. En lisant le verset 25, il y a Genèse chapitre 41 toujours. Genèse chapitre 41. Le verset 25. Le verset 25. Petro tanga na verset 37. Et nous lirons le verset 37. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Joseph dit à Pharaon. Joseph voit ici la femme. Ce qu'a songé Pharaon. D'auto et au Pharaon a su. Et il ne sait chose. Et ça dit qu'à quel nom qu'on manque. Ce qu'on a dit d'auto, il sera qui. Banzete. D'auto, monsieur, c'est qui. Banyam. En regardant les songes, l'un des songes était lié aux arbres et l'autre aux animaux.
Si tu amènes ces songes dans la faculté des sciences à l'université, on te dira que c'est carrément deux choses différentes. Ce qui concerne les animaux Donc c'est deux sciences différentes. Là c'est la réponse que tu auras des professeurs de ces membres. Mais si tu viens chez les Saint-Esprit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et aillé encore. Verset 32. Si Pharaon a vu les songes, c'est répété une seconde fois. Ce qui fait le Je veux que tu comprennes. Si Pharaon a vu les songes, c'est répété une seconde fois. Ce qui fait c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc pour Joseph, Ngombe. Donc la vache. Ce qui va dire la Ngombe. La vache qui notre mère, on peut la reprendre en forme d'arbre ou de bille. Donc c'est la même chose. Donc ce que nous comprenons dans le langage, ce que nous comprenons dans le langage de Dieu, à propos de la jardin d'Eden, dans Genèse 2, le Seigneur peut être dans le jardin d'Eden dans Genèse 2. Il peut reprendre le jardin d'Eden des arbres avec des animaux qui marchent. Donc, on est là-bas, ce sont des arbres. Maintenant, il veut répéter les arbres. Il répète ça en forme de bêtes de champ. Mais jardin d'Eden. C'est seulement le jardin d'Eden. C'est comme ça que Dieu a répété. C'est comme ça que Dieu a répété. C'est pourquoi Hébreu a dit plusieurs manières. Lorsque dans Genèse 1, on montre l'esprit se mouvant au-dessus des eaux. La terre est à la guerre à 4 informes. La terre était sous les eaux informes. Maintenant, il veut répéter cela. Il a dit à Noé, construis l'arche. Il a appelé les animaux pour entrer dans l'arche. Et la pluie est quittée. Et lorsque la pluie est descendue, l'arche est au-dessus des eaux. L'arche s'est placée au-dessus des eaux. Cette arche-là. Répétition de Genèse 1, l'esprit s'est mouvé au-dessus. L'arche-là, c'est la répétition de l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux au commencement. Il faut savoir ceci, bien-aimé. Programme arche. Le programme de l'arche. Zamba Pesaki. Noé. Le Seigneur l'avait donné à Noé. Noé avait ce programme en lui. C'est Noé qui était comme père en ce temps. C'est Noé qui était comme le père en ce temps-là. Maintenant, ce qui était en lui a manifesté à moi, c'est-à-dire les lâches. Noé l'a manifesté de l'extérieur, il a manifesté. Or, ce qui provient du père a pour nom le fils. Parce que le fils veut dire Oyezo Pimanakati. Donc, le fils veut dire celui qui sort, ce qui sort du père. L'arche est sortie de Noé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est le père. Lui-même, le père, à côté, il est entré dans l'arche qu'il a manifesté. C'est ce que Jésus avait dit. Je suis dans le Père. C'est lorsque l'arche n'est pas encore manifestée qu'il tape dans Noé. Tant que le Fils s'est manifesté. Lorsque le Fils se manifeste, le Père est en moi. Le Père est en moi, l'arche. C'est ce que Dieu a fait. Il y a un bon désambé à ça là.
Et en ces temps-là, lorsque tu vois ces trois fils, et avec leurs femmes, ils forment trois corps, trois chairs. Trois corps. Trois corps, bien. Donc, quand les pères entrent, donc, tant qu'on t'attend à côté, il y a ensemble la loi, les psaumes et les prophètes. Donc, il y a aussi la loi, les psaumes et les prophètes. Il y a trois corps. Qui entrent avec le Père, trois corps. Il est en train d'expliquer les mouvements que l'Esprit a pour ça. Là. Il expliquait les mouvements que l'Esprit accomplira. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer, bien aimé. Tant que vous m'accompagnez sur les cils, lorsque toute chose a pris fin, Zambé a déjà pèsé à Noé pouvoir. Le Seigneur veut donner le pouvoir à Noé. L'olega peseki Adam. Comme il avait fait à Adam. Parce que la Genèse 2, na 1, Adam est sa compère. Parce que dans Genèse 2 ou 1, c'est Adam qui est comme le père. Maintenant la répétition. La Genèse 9. Dans Genèse 9. Noé n'est père. C'est Noé le père. Yango pesera tika la bolumbu. C'est pourquoi il devait rester nu. Vous allez remarquer bien. Dans Genèse 9. Dans Genèse 9. Parce que on a Dieu répète de plusieurs manières. Parce que je vais te donner seulement les exemples de plusieurs manières. Isaac a quelques exemples. Isaac a kabanda qui ça. L'olenge a béni ce qui Adam. Comment est-ce qu'il avait interdit à Adam? A béni Adam pouvoir autorité. Il avait donné l'autorité et le pouvoir à Adam. Après a béni après, il lui a donné quelle nourriture il doit manger. Il fallait qu'il puisse les reprendre aussi avec Noé. Genèse 9, verset 1. Genèse 9. Dieu bénit Noé. Et ses fils. Et leur dit, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte. Dans la Genèse 9. Et des fois pour tout animal de la terre. Pour tout oiseau du ciel. Pour tout ce qui se meut sur la terre. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. C'est la même autorité qu'il avait donnée à Adam. Maintenant, il vient au verset 3. Il y a Genèse 9. Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Donc, tant à son pèse, comme il avait donné Adam. J'ai Adam le premier. Oh, tant à pèse qui paye Adam. Alors, lorsqu'il avait donné Adam, il lui avait interdit une chose. Ah, il avait interdit. Donc comme je te l'ai donné. C'est comme j'avais donné la balle. Alors, il faut savoir. C'était. Là on le répète aussi en forme d'animal. C'est Joseph qui ne l'a dit. Maintenant écoute. Alors, il dit. Tout ce qui se met. Et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Lorsque Adam a péché, comme l'un de nous, le Seigneur a dit comme il est devenu comme l'un de nous. Empêchons-les. D'avancer sa main dans l'arbre de vie, d'en manger les fruits et de vivre éternellement. Deuxième interdiction. Empêchons. Interdiction. Amen. De la même manière chez l'animal. Tu l'as vu interdire le sang. Je vais ajouter encore une autre interdiction. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Lévitique 3, au verset 17. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. C'est ici une
une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Il a ajouté une deuxième interdiction. Là, tant que en profondeur, vous comprenez. Lorsque nous y entrerons en profondeur, vous comprendrez. Donc, tant que vous ici, fouillant ma connaissance du bien et du mal, lorsqu'il interdit le fruit de l'arbre de la connaissance, et que tant que l'homme a désobéi, et lorsque l'homme a désobéi, a péquissé l'arbre de vie, il a interdit aussi à l'homme de toucher à l'arbre de vie, a fermé chemin à l'arbre de vie, il a fermé, barricadé le chemin de l'arbre. Cela veut dire moyen à atteindre. Il n'y avait pas moyen qu'il puisse atteindre le fruit de l'arbre de vie. Et la même manière, lorsqu'il est venu chez l'animal, a pétissé les sangs. Il a interdit les sangs. Ensuite, il est venu interdire aussi la graisse de l'animal. Amen. Et le sang dans l'arbre, c'est la vigne. Et ça lit le vigno. Remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer, bien aimé. Dans tout le mouvement, quand Noé s'est retrouvé dans l'arche, il n'y a qu'un seul arbre nommé. Et ça, l'olivier. Donc c'est l'olivier. Amen. C'était un seul arbre seulement. Donc, tout le temps Noé était dans l'arche, nous n'avons écouté que le nom d'un seul arbre, feuille de l'olivier. Lorsqu'il est sorti de l'arche, le nom de notre arbre fut ajouté. Il a planté la vigne. Donc, dit Genèse 9, 8, 9, il y a que 10 arbres. Donc, de Genèse 8, 9, il n'y a que deux arbres nommés. Vigne, olivier. Donc, vigne, on a ces taille-là. Deux arbres, on a. Donc, c'est deux arbres. Dans l'animal. Donc, un arbre typifie la graisse. Parce que, huile. Parce que ça donne de l'huile. La graisse, c'est de l'huile. La graisse, c'est l'huile de la graisse. Et l'autre représente le sang. Maintenant, Noé a l'air des fruits à vie. Maintenant, Noé a mangé du fruit de la vie. Les vins. Mamela qui vignait. Atika di Bolo. Et puis, il s'est découvert. Il est resté nu. Mais pas répéter, on va mais on te répète ce qui s'était passé là-bas dans les jardins, frère. Dieu répète de plusieurs fois. Ça met à bander la canabalo, l'aigle et belé. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi vous allez. Jardin de teint. Et la maillette. Et ça va dire dans ma arbre belé. Il y avait beaucoup d'arbres. Mais il y avait des arbres Noé. Mais il avait des arbres qu'on avait cités. L'encola. Terre aux arbres qui Abraham. Comme la terre que le Seigneur avait donnée. Et ça répétition jardin de teint. C'est la répétition du jardin de teint. Sommes aussi. Deutéronome 8. En prenant Deutéronome 8. Batangi. Ensuite. Plusieurs arbres. Mais sommes aussi. Josué. Mais en prenant Josué. 24. Josué 24. Verset 13. Et verset 13. Batangi. Des arbres. On ne cite que deux arbres là-bas. Olivier la vigne. Les oliviers et le vigne. Dans la terre d'Abraham. Dans la terre d'Abraham. Dieu répète de plusieurs manières. Ça met à son panne la nabalulenge belé makambo. C'est pourquoi dans la loi de Dieu, c'était si tu dois mourir. Si tu dois manger la chair avec son sang, tu dois mourir. Tu dois être lapidé. Et Israël t'a raconté terre. Et lorsqu'Israël est entré dans la terre, en lisant Lévitique 19, le Seigneur avait dit à Israël, tu regarderas les fruits incirconcis. Voyez, c'est des fruits physiques. C'était d'abord des fruits naturels. C'est dans Lévitique 19. C'est dans Lévitique 19. Pourquoi? Terre ou des anaki? Répétition et jardin de terre. Parce que cette terre était la répétition du jardin de terre. Et Dieu confirmait que
ma connaissance du bien et du mal, c'était l'arbre. Et Dieu confirmait que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là qui pensa dit. Et son nom vient de découvrir ça. Quand l'oiseau répétait par Noé, lorsqu'il répète chez Noé, vous suivez la Bible. C'est pourquoi lorsque vous verrez Josué 24, les pays, il y a deux arbres. Les pays, c'est un pays de deux arbres. Il y a vigne et olivier. De la vigne et de l'olivier. Maintenant, prenons Lévitique 19. On dit ceci bien. On compta la fruit incirconcis. Donc vous regarderez le fruit comme incirconcis. Incirconcis, il a compté ça. Incirconcis veut dire. Maquila et quittité. Donc le sang n'est pas encore versé. Donc pensez à fruit ou épéguisami. Donc les pensées du fruit qui est interdit. Et ça, raisin. Donc c'est les raisins. Parce que ce qui est nous avons incirconcis. Donc quand tu regardes quelque chose incirconcis, cela veut dire maquila et quittité. C'est-à-dire le sang n'a pas encore. Or, le sang veut dire vin. Or, le sang veut dire le vin. Dans Deutéronome 32, verset 14. Dans Deutéronome 32, le verset 14. Et Dieu bénisse. Amen. Donc toutes ces choses, Macabre, il faut qu'on veille à avoir avec les Écritures. Il faut veiller avec cela dans les Écritures. Dieu commence d'abord. Ce qui est naturel. Après, il y a un spirituel. Après, il va venir dans ce qui est spirituel. Quand il dit arbre, c'était vraiment l'arbre d'été. Mais après, vous allez interpréter. Après, cet arbre aura une explication. Donc, ce qui est comme la vigne. C'est le signe de la loi. Et l'olivier, ça comme grâce. Et l'olivier, le signe de la grâce de Dieu. Donc, d'abord, ce sont des arbres. Et ça, là, qui nous a dit, c'est parce que les arbres appellent ce qui est jardin d'Eden physique. Parce que le Seigneur avait donné un jardin physique. Il y a un autre lobaka. Une doctrine, il y a un lobaka. Alma connaissance du bien et du mal, et ça va qui moi si, et ça va qui vous permettre. Zota moi si. C'est pourquoi les doctrines. Ça va doctrine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était le corps de la femme. Branhamisme était à la néwanaise sorcellerie. Comme la doctrine de Branham qui professe ainsi, les abondoki. Parce que, pour tout le monde, parce que nous les interrogeons, jour où nous avons la qui sa Adama. Fruit à connaissance du bien et du mal au Goliaté, Ève à Zalakité. Le jour où Dieu montrait à Adam pour lui donner l'ordre de ne pas manger de l'arbre, Ève n'était pas là. Tant à ce qu'il sait que vous voulez avoir manioso. Lorsqu'il lui dit que tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais quand tu as fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu l'as mangé. Ève à Zalakité. Ève n'était pas là. Alors, Zavala Xéné. Alors, qu'est-ce que Dieu lui montrait? Verset pesate, oyoyo, ce n'est pas à Pessa, Ève fruit. Il n'y a pas de verset où le serpent a pris le fruit et a donné à la femme. Ce verset-là n'existe pas dans la Bible. Il n'y a que le verset. Lui-même, la femme, prit le fruit. Allez. Et en mangeant. Mais attends que le serpent a pris ça. Ce n'est pas que le serpent a pris et lui a donné. Non. Ce qu'on met du fruit en la sémence. Donc si tu appelles ce fruit-là la sémence. Entre moi, si la moubali, non, ça n'a pas connu. Entre la femme et l'homme qui a la sémence en lui. Moubali. C'est l'homme. Mais Adam a pris ça et le fruit. Adam n'avait pas donné le fruit à elle. C'est ça la cathé. Il n'y a pas de terre. C'est Ève la femme. A pris ça à toi. Qui avait donné à son mari le fruit. Il n'y a pas de verset qui a donné le fruit. On dit que c'est ça, mon bon taux. Et ça, c'est un bon. Et ça, Pensa, l'idée à l'Okuta. Tous les hommes qui ont vécu sur la terre proviennent d'un seul sang. Nadam. Le sang d'Adam. Il y a au acte 17, verset 26. C'est ça, acte 17, le verset 26. Dieu a fait que Batonion soit bafani na mabele, babima d'un seul sang. Dieu a fait que tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre proviennent d'un seul sang. Donc, Oswa Kayen. Que tu
prennes Caïn, Ozo Abel, que tu prennes Abel, Ozo Anani afin à ma mère, que tu prennes n'importe qui, Touti na makila manko. Nous provenons tous d'un seul sang. Na zoto boye dans la chair. Tozali bana ya Adam d'abord premier na zoto. Nous sommes les fils d'Adam les premiers dans la chair. Donc exacte na moi na moko boye oni okande aiba kinzo ta mwasi. Il n'y a pas un homme sur la terre qui provient de l'accouplement du serpent de la femme Bondokinde à Moana. Oh, les serpents dans le jardin d'Eden n'étaient pas les serpents d'aujourd'hui. C'était un homme. Yemisa Bango. Réponds-leur. Genèse 5 et lui. Genèse 5 dit. Dieu a créé qui? L'homme et la femme. Zambé akela ki mobali pe na mwasi. Il les appela du nom d'homme. Abenga bango na kombo ya moto. Donc, oyo abenga moto. Donc, ce que Dieu a appelé homme, Eza, Eve, c'est Adam. C'est Eve et Adam, son mari. Et puis, bayela Adam, banyama nyonso. Et puis, on avait fait passer tous les animaux. Pour appeler ça ma kombo. Pour savoir comment il est nommé. Lorsque Ève ne fut pas encore manifestée, il fallait que Adam dise que les serpents me ressemblent, c'est mon être semblable. Mais il ne vit aucun des animaux qui lui était semblable. Comment que nos serpents ont été bogas? Alors comment tu vas dire que nous avons un serpent qui toko? C'était un serpent créé par Dieu, mais possédé par l'esprit mauvais. Ce serpent a parlé. Il faut lui dire aussi que la naisse de Balaam avait parlé. La naisse de Balaam avait dit à Balaam. Regarde-même toi-même. Oui, mais bien que tu sais que j'étais toujours obéi. Si tu me vois te résister comme ça, c'est qu'il y a quelque chose devant. Donc, comme cet âne-là veut entendre la voix d'homme, elle devient aussi un homme, c'est ça? C'est que c'est pas un animal, la naisse. Ces enseignements-là, même dans le premier siècle et dans le deuxième siècle, même le premier siècle, au deuxième siècle, et ça là, ces enseignements-là, pas seulement ça servant. Mon moteur n'y a aucun. Bon, bah, oh, bah, même dans le 18e siècle, les Alaki aussi. Donc, ceux qui les prêchent même dans les dans le 19e siècle, les Alaki. 19e siècle, 17e siècle, ces enseignements existaient. Joseph Smith. Joseph Smith. Oh, il y a des comme. Prophète, il y a assemblée des saints des derniers jours. Qui est le prophète des églises des saints des derniers jours. Et que c'est une église des saints. Et c'est là, ces assemblées-là sont différentes des églises des saints seulement. Et ça, quand on a l'église des saints des derniers jours. Donc, dans l'assemblée, à saint Nicolas Souka. Un livre dans Bango, doctrine dans Bango, Mormon. Et leur doctrine s'appelle la doctrine des Mormons. Dans leur livre. Jésus était. Ils ont parlé aussi de la divinité de Jésus. Ils ont prêché aussi. Ils ont montré aussi les péchés là. C'était l'accouplement d'Adam et Ève. Ce sont des fausses doctrines. Les alimentés à ma belle okuta. Alors, les totales, ça va être après Bango. Maintenant, c'est pourquoi nous montrons que ceux qui sont venus prêcher cela après eux. Vous prenez comme Branham et les autres. Dans le 20e siècle. Ceux qui viennent les prêcher aussi au 20e siècle. Ils ont adopté. Héritage à ma paix. Ils sont seulement comme les descendants des faux prédicateurs là qui ont prêché avant. La Bible, les autres les servis sont dans Romains 5. La Bible nous montre dans Romains 5. Par l'offense d'un seul. Par l'offense de deux. C'est pourquoi tu vas remarquer. Lorsque Eve a mangé, ses yeux n'étaient pas encore ouverts.
loi, le Seigneur ne lui avait pas donné la loi à la femme, non. Mais lorsque Adam a mangé à son tour, c'est alors leurs yeux à tous se sont ouverts. Et lorsque Dieu vient, elle n'était pas venue chercher elle deux. Adam, où est-il? Adam, il y a mon corps au savoir. Est-ce que tu as mangé? Les alliés de Yomoko Olié. Alors, est-ce que vous avez mangé? Il n'a pas dit vous, Pino Olié. Alors, il n'avait pas dit ainsi. Parce que, il avait donné la loi à l'homme. C'est pourquoi son tourné, est-ce que Yomoko? C'est pourquoi il lui dit, il lui pose la question, est-ce que toi tu as mangé? Paul a dit dans Romains 5. C'est pourquoi Paul a prêché dans Romains 5. Verset 17. Le verset 17. Par l'offense d'un seul. Il est sous mon caca et à mon tomoko. Et la mort est entrée dans le monde. Et par l'obéissance encore, il y a mon corps. Jésus-Christ. Et la grâce et la justice sont commis pour beaucoup d'hommes. Et la grâce et la justice sont étendues sur beaucoup, sur plusieurs. L'homme obéissant, c'est Jésus. C'est pourquoi nous tous nous avions reçu la grâce. Là-bas dans la chute, c'est Adam qui avait désobéi. Maintenant dans l'ordre comme du mariage, l'homme et la femme, la femme n'a pas obéi à l'homme. Là, tu vas dans 1 Timothée 2. Et comment contredire tes Romains 5? Cela ne peut pas contredire Romains 5, frère. Vous êtes là, madame? Amen. Parce que maintenant, c'est la confusion. Parce que les gens ont cette confusion. Il y a un moment donné, le Seigneur a été demandé Adam. C'est pourquoi le Seigneur n'était venu que chercher l'homme Adam. Que Dieu bénisse. Amen. Je sais que le Seigneur a fait qu'il peut te lever le moment où il c'est très bien. Je sais qu'il avait plu à Dieu qu'on puisse en parler comme ça. Parce que l'évangile, il faut résoudre ma question. Oui, que ça m'a mal à vous, Seigneur, le Père Sali à mon ami tout. C'est très important. Et ça dit mon tout à Koleka. Donc, Kolobake, serpent, il y a pas qu'une autre à moi aussi. Que le serpent a fourni le corps de la femme Ève. Et ça a fausseté. Et ça a l'oukouta. Et ça a sorcellerie. Mondoki. Et ça m'a commencé à embêter. Et ce n'est même pas les choses de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'est que dans la cantine à Angoy, c'est que nous devons saisir d'abord. C'est que dans tout cela, nous devons saisir. Que Dieu a répété de plusieurs manières. Répète les choses de plusieurs manières. Alors, bien, c'était. Il a parlé sous forme d'arbre. Il vient la répondre sous forme d'animal. C'est comme Jésus-Christ. Ça le connaît sous Christ. Voici l'agneau de Dieu qui est le péché du monde. T'as la moine en pâture à l'oubolade sous moi, mon pied. C'est lui. Il est mon copé jardin d'Eden. Et lui-même, c'est le jardin d'Eden, c'est même Jésus. Il est l'agneau. Jardin. Il est aussi le jardin. Il est mon copé arbre de vie. Et lui-même, l'arbre de vie. La réalité. Dieu bénisse. Amen. Ma lecture où il y a Bible et c'est qu'on a toujours que Zambé a éclairé Bissot et les Bissot. La lecture des Écritures demande toujours que Dieu puisse nous éclairer. Il y a un tamponi pour y d'abord bonani. Pourquoi j'ai marché ainsi? Pour la contagie, c'est que désobéissance est Adam. Pour montrer que la désobéissance d'Adam avait fait que toute la terre puisse entrer dans le péché. Dans la mort. De la même manière, Israël, lorsque Israël a péché, il est le signe d'Adam qui était tombé. Maintenant, Zamba Sadiqe, Azala Nase, Yabouboya. Maintenant, le Seigneur fait qu'il soit sous la domination des Madianites. Pourquoi ils allaient qui sept ans? Pourquoi c'était pendant sept ans? Ils ont sa période tant des nations. Cela représentait toute la période pendant laquelle les nations dominaient la terre. Parce que les nations qui dominaient la terre, ils avaient sept têtes. Parce que les nations dominaient la terre, c'est comme sept têtes de la bête. Sept têtes, il y a bête, puis sept têtes, il y a dragon. Et les sept têtes de la bête et seul du dragon. Apocalypse 12. Si tu prends Apocalypse 12,
Otali na verset 2 na 3 tant bazolo bela sur les dragons rouges. Je marque au verset 2 et 3 lorsqu'on parle du dragon rouge. Okomo na ba présenté azana 7 têtes, 7 têtes wana zana ba diadème. On l'a présenté comme ayant 7 têtes sur lesquelles il y a 7 diadèmes. Donc les Otali 5 cela représente et tout nionso ezalaki comme ba roi. Donc toutes les têtes étaient comme des rois qui c'est pas cette tête qui avait des couronnes. Donc les Bouygues, ce sont des puissantes nations. En signe, cela parlait des puissantes nations. Ils ont dominé la terre. Qui dominait la terre? Ils ont présenté dans Apocalypse 12 avec des diadèmes. C'est pourquoi les têtes sont présentées avec des couronnes. Dieu bénisse. Amen. Alors, c'est cette nation. Voulant d'ailleurs son sambo, il y a un moment qu'on Madian a dominé Israël 7 ans. Donc, c'est comme Madian qui domine 7 ans le peuple d'Israël. Donc, pourquoi ça m'a dit Madian? Donc, la chute de Madian, bien aimé, Ezali et Lembo, dans le lingue Zambé, à pourquoi ils la bête et les 10 rois n'a souka en Apocalypse. C'est bon, juge. Chapitre 7. Juge chapitre 7. Vous allez remarquer, bien aimé, que na katia kombawana. Donc c'est A et B. Et ça c'est au rêve de OR et B. Et ça, rocher au rêve de Théo et Zalakina désert avec H. Ce n'est pas les rochers de rêve d'Exode 17 avec H. Dans ce cas, malam, hein? Amen. Oyo Oreb y est dans la qui roi Yaba Madianite. Ici, c'est Oreb, c'était lui le roi des Madianites. Et il tient Zeb. Et Abomaki Zeb. Au pressoir de Zeb. Mais si t'as qu'au Kamola Yazeb. Ils poursuivirent Madian. Et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb. À Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Donc combat wana. Donc ce combat là. Et ça là que ma kwesao basala qui comme ma roi. Avait fait qu'on puisse faire tomber ce qui était comme de roi. Donc Zeb. Zeb. Et puis Oreb. Pena Oreb. Maintenant ma kambota kwesali. Maintenant lorsque ces choses se sont passées. Le Seigneur les a amenés dans la prophétie dans Ésaïe 10. Ésaïe 10. Ésaïe chapitre 10. Ce n'est pas en vain que nous parlons sur les 300 hommes. Qui était avec Gédéon? Trois prophètes et Apocalypse. Et il représentait trois prophètes d'Apocalypse. Moïse. Élie. Et Jésus-Christ. Maintenant, toujours Ésaïe 10. Maintenant, nous prenons Ésaïe 10. Nous les lisons. Ésaïe 10. Ésaïe chapitre 10. Toujours verset 25. Nous prenons le verset 25. Mais nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais encore un peu de temps. Et le châtiment cessera. Là, on adresse la prophétie, la promesse à Israël. Parce qu'il était dominé par la Syrie. Assyrie a dominé Israël. En ces temps. Et le Seigneur a prophétisé dans le temps d'Isaïe. Alors le Seigneur a prophétisé Madian. Donc, prends cette scène là qui est dans Juge et amène-la dans Ésaïe. C'est pourquoi je vous dis que les mouvements des 300 hommes sont en Apocalypse dans la réalité. Comme il frappa Madian, au rocher d'Oreb. Parce que les rochers. C'est le signe de la royauté. C'est comme Nangambo à Christ. C'est comme du côté du Christ. Il est le rocher. Même Daniel 2. Même Daniel 2. Nebuchadnezzar a monaki
rocher, donc la pierre qui se détache sans les secours d'aucune main. Et quand l'explication à Daniel les obéissant, et lorsque l'explication de Daniel est parce que cette pierre est remplissant toute la terre. Dans le milieu des royaumes éternels. C'est le royaume éternel. Oyekoya après ma royaume yabatu. Qui viendra après le royaume des hommes. Parce que Batemene basa la difficulté dans la prophétie. Parce que beaucoup de gens ont des difficultés dans la prophétie. Sokoza la difficulté de l'homme, faut être humble pour apprendre. Si tu as des difficultés dans quelque chose, sois humble pour apprendre des autres. Ezaka bolingwanzambe. C'est l'amour de Dieu. Kéote ya mabe au souffrir. Que tu puisses souffrir en prêchant mal les enfants de Dieu. T'as besoin d'apprendre et l'homme la gapé ministère. Lorsque tu apprends, cela ne t'ôte pas le ministère. Koli sakakutu grâce. Cela fait accroître d'ailleurs davantage dans ces choses. Parce que nous avons trouvé que Batemene a une difficulté. Parce que je trouve que beaucoup de gens ont des lacunes. Nazolo babopo Batemene a en ligne. J'ai dit comme ça parce qu'il y a aussi ceux-là qui me suivent en ligne. Ils ont la difficulté pour la salir à Israël. Ils ont la difficulté aussi, j'ai dit, salir Israël. Salir à Israël. Les salir d'Israël en ligne. Ils ont deux étapes. À deux étapes, bien aimé. Pourquoi ils en ont des étapes? Pourquoi son salut a des étapes? Supposons Ézéchiel 37. Si vous prenez Ézéchiel 37, le Seigneur a dit le Bélalolégué Israël, donc Jida a Kenéki Boum. Le Seigneur parle ou montre comment Israël était allé dans la servitude. Tant Jida qui Boum. Lorsque Jida est allé dans la captivité, a Kenéki Boum à Babylone. Il était allé dans la captivité. Écriture représentée bango comme ba osma de séché. Pe makomi talisi bango lokola miku akukauka. Ba kei na ba cimetière. Ils sont allés dans des cimetières. Et nous avons restauré. Et lorsque le Seigneur restaure, a présenté maintenant des bois. Maintenant le Seigneur présente deux pièces de bois. Alors dit bois moko ezana kombo ya Jida. Un bois a le nom de Jida. Bois moko ezana kombo ya Joseph, kombo ya Ephraim. Et l'autre bois a le nom de Joseph, le nom d'Ephraim. Alors dit tant nous avons apoya à restaurer bango à cause de son nom grand. Il a dit lorsque le Seigneur les restaurera à cause de son nom grand. Dans verset 23e Ézéchiel 37. Verset 23 d'Ézéchiel 37. Alors dit boye. Il dit ceci bien. Parce que Batemene a une difficulté. Parce que beaucoup de gens ont cette difficulté. Dans Ézéchiel 37 au verset 23e. Dans Ézéchiel 37, le verset 23e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Tant nous avons pour restaurer ces deux bois. Lorsque le Seigneur restaurera ces deux bois. Les Camonais ne possèdent pas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en ces temps-là? Je fais, verset 22 d'abord. Le verset 22. Je ferai d'une seule nation. Dans les pays. Dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés. Deux bois. Mais ça doit être deux pièces de bois. Yango komona, c'est pourquoi tu vas voir pour t'aller sakanakata réalité. Nous montrons dans la réalité des choses. Il y a d'abord la part de 144 000. Il y a d'abord la part de 144 000. Comme bois de Jida. Lukola libaya oyo ya Yuda. Comment kongwa yusa? Soko t'aller na Apocalypse 7. En lisant Apocalypse 7. Batangi boyete nommément Ephraim na Dan. Nommément comme ça, on n'a pas cité le nom d'Ephraïm et de Dan. Mais tous allez qu'on croit. Mais nous croyons que le Seigneur a nommé Néwale dit qu'on le battait que Dan a Kubunga. C'est l'adage là, cette abstention là de Dan parmi les 144 000 ne veut pas dire que Dan sera perdu. Non. Non, ils sont les signes d'un autre bois. Vous en avez malin. Amen. Donc, Baza et les mots,
Yabana Israël à part 144 000. Ils sont les signes des enfants d'Israël à part les 144 000. Oyo bakokota na fausse adoration. Ceux qui entreront dans la fausse adoration. Après la mort et la désolée. Nasima Yakufa Bantengene Kemibale. Parce que Batemele Bazan a souffrance. Parce que d'autres personnes souffrent. Marque de la bête. Lorsqu'ils font la marque de la bête. Marque de la bête. Marque de la bête. Les gens recevront la marque de la bête. C'est écrit comme ça. Et comment Bongo. Ma nation. Marque de la bête. Les nations recevront la marque de la bête. Israël. La fausse adoration. Même si tu dis Israël entrera dans la fausse adoration, ce qui est vrai. C'est rien. Et c'est le côté pour Nzambe. Pourquoi? Dans Jérémie, parce que dans Jérémie, ma nation basalaki en alliance avec la bête. Les nations qui étaient en alliance avec la bête. Babylone. Le Seigneur a mis la prophétie. Le Seigneur dit dans la prophétie. Nous avons voulu guérir Babylone. Toluka qui tombe qui ça Babylone. Babylone n'a pas guéri. Mais Babylone a habité. Que ferons-nous? Tout ça la nuit. Abandonnons-la. Toti kaye moi siwa na. Donc. Position ya Babylone. Donc les gens vont quitter la position de Babylone. Après la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon. Babylone position Babylone. Ils vont quitter la position. Allez chacun dans son lieu. Nous sommes dans moto na moto na moto. Donc parce qu'ils en alliance. Donc c'était en alliance. Mais parfois abandonné. Mais ces nations vont abandonner Babylone. Il y a beaucoup trouvé que. C'est pourquoi tu vas trouver la pierre où il y a qui beaucoup sa statue. Il faut remplir toute la terre. Et c'est qu'il y que la terre est comme un abandon, la terre dans la Christ. Donc, c'est-à-dire la terre n'aura que les adorateurs du Christ Jésus. Même ceux-là qui avaient reçu la marque de la bête, les nations resteront. Vous pensez qu'il y a un restaurant pour adorer la bête? Ça c'est. Abandonnons-la. Mais maintenant, ils penseront qu'à l'éternel. L'adversité. C'est Dieu. Amen. Dieu bénisse. Amen. Hein? Et Israël, bien-aimé, Azan a promesse, Azan comptait parmi les nations. Il attend à Makatika, tu as mis colo pour la mise la canne sans mais. Il y a des nations. Israël Azan mis à part. Israël a tiré ma pembe. Il faut savoir que. Il faut savoir bien-aimé. Oyo yo bakoku tanana Jésus. Après Armageddon, les enfants d'Israël qui vont croiser Jésus-Christ après la bataille d'Armageddon, c'est comme le bois d'Éphraïm avec les Danes. Je ne parle pas seulement des Danes comme tribu. Israël, tout Israël qui va entrer dans la fausse adoration, et Biminetti, comme le bois d'Éphraïm et les tribus qui lui sont associés et d'autres enfants d'Israël qui lui sont associés. Mais tant que Christ a son visité, mais lorsque Christ le visite, il faut y ébaboué. Il faut savoir ceci, les 144 000 ébaboué tournent jamais Jésus Christ. D'où vient ce plaît? Les 144 000 ne peuvent jamais interroger à Jésus. Parce qu'ils n'ont enseigné même pas des uns. Parce qu'ils ont reçu l'enseignement de deux uns. Des uns prêcheront Christ. Les mâles. Parce qu'on a dit qu'il y a un côté à Christ. Mais ceux dans la fausse adoration, qui entreront dans la fausse adoration vont refuser l'enseignement. D'où vient ces plaies? C'est eux qui peuvent poser la question à Christ. Et pourtant, il y a un côté à Christ. Après l'Armageddon. Nassima Mitumba Armageddon. Donc, nous allons répondre pour comprendre d'abord. Nous répondons ainsi pour comprendre, bien-aimés. Que les salines d'Israël sont à deux étapes. Le biko aïe salé les salines à Bitini Libané. Verset Namouz à Romains 9, verset 27. Non, le Romains 9, le verset 27. Monsieur Zana Romains 11, verset 26. Et une autre écriture dans Romains 11, le verset 26. Dans Romains 9, verset 27.
Dans Romains 9, le verset 27. Par le mitamo Israël, comme sable de la mer. Lorsque les enfants d'Israël seront comme le sable de la mer. Un reste seulement sera sauvé. Katandambo mokende bakobika. Reste wana ne 144. Et ce reste là, c'est le 144. Maintenant, dans le verset 26, il y a Romains 11. Maintenant, au verset 26 de Romains 11. On a balobi, tout Israël sera sauvé. Là-bas, on dit Israël le mobimbane kobika. Et tout Israël là, et c'est tout Israël, comment sera-t-il sauvé? Selon qu'il est écrit, les libérateurs viendront ici. Tout Israël, dans le salut de tout le peuple d'Israël, et ça va. Non, ce n'est pas par les deux soins. C'est lorsque le libérateur viendra lui-même. Donc, Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ lui-même viendra. Or, il y a après guerre Armageddon d'a visité Israël. Or, il vient après la bataille d'Armageddon et visitera Israël. Voilà, les déjà si les kakipe, là, les deux ont été déjà mis à mort. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi on avait montré les trois groupes. Il y a 100. Bah, habité misato. Il y a Gédéon. Il y a Kamamoko, Kamamsu, Natangwa. Parce que c'était des guerriers. Oui, des Alaki, Batonabitumba. Élisée a défini ça, les prophètes. Élisée avait donné la définition du prophète. Quand Élie a sarangi komata. Lorsque Élie montait. Na deux rois. Dans 2 rois 2, à partir du verset 11, alors dit mon père, char d'Israël, et sa cavalerie. Donc, prophète Moko, donc un seul prophète, à sa char, il est char, et sa cavalerie. Donc, prophète à sa toute une armée. Donc, un prophète est toute une armée, bien aimé. Donc, dans nos hommes, on a 300 hommes. Donc, lorsque tu vois 300 hommes, parce qu'on parce qu'Amunda, donc ils viennent combattre. On va couer ça, Madian, pour renverser Madian. Bakaboli bango 100 à Gédéon. Ils sont divisés en trois groupes de 100. C'est comme une armée. Ils ont le col à Mapina. C'est char d'Israël. Là, c'est ça les Nicaro et Israël. Et ça cavalerie. Ben à Mapina n'a pas. Il y a mon commandant qui est basé qui n'a pas trompette. C'est pour que lorsqu'ils vont travailler, ils vont tuer le roi qui dominait le peuple. Zeb. Oreb. Et tant que tu tues Oreb au rocher d'Oreb, Oreb était signe de la royauté comme la bête. Oreb était le signe de la royauté de la bête. Mais Zeb. Il était le signe du faux prophète. Parce que le vin, c'est tout un enseignement. Maintenant, la réalité, ce ne sont pas deux personnes. Mais il y a deux services. Mais deux services. Mais c'est une seule personne. Dieu bénisse. Amen. Donc, il y a un moment où on entend qu'il y a un Esaïe 10. C'est pourquoi je vous avais dit Esaïe 10. Esaïe 10, Juge 7. Esaïe 10 prend l'événement qui s'est passé dans Juge 7. Et comme ici, il y a un l'air, il y a Apocalypse d'Armageddon. Et la fée arrivée du temps d'Apocalypse dans l'Armageddon. Mais il veut ça, le m'appelle que Montaigne a s'inspiré. Mais il peut se faire aussi qu'un ministre s'inspire. Pour atteindre la délivrance. Pour prêcher la délivrance. À Zuper, on a Gédéon délivrance, Gédéon Christ. Il prend Gédéon Christ. Et c'est le Christ. Christ a considéré Benet, vaillant comme le ministre. Ma parole. Pour que la délivrance. Donc c'est l'exhortation. C'est l'exhortation, frère. Mais prophétie, il y a un côté. Mais ce n'est pas ça, la prophétie. Nous nous prêchons la prophétie. Ils sont aux autres, donc placer des prophéties
dans les temps. C'est ça notre rôle. Mais on peut s'inspirer. Mais tu peux t'inspirer aussi. Comme une exhortation. On prend une trompette. Tu vois la trompette. La parole tout entière. La parole que nous prêchons. On prend une flambeau. Vous voyez le flambeau? Ah, c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Exhortation à chaque écriture. Tu peux prendre l'exhortation dans chaque écriture. Mais il faut y avoir un peu de prophétie. Mais tu dois savoir classer la chose dans la prophétie. Il faut voyez pas Église du Seigneur. Il faut savoir Église du Seigneur. La grâce prophétique. Ngolou, y a la zone de la matoute. La personne j'ai. Je ne parle pas des hommes physiques. Mais je parle de la grâce prophétique. Ngolou, y a kotiaka li komina tango na mwa koko kisa. Hier la nomba qui était une lampe. Des ali mwinda. Ami, amène la prophétie la lampe. Et ça quoi les ali mwinda. Ce qui même au niveau théa bien. Si tu veux bien prêcher la Bible. Hier banan. La prophétie. Il faut d'abord maîtriser la prophétie de l'Écriture. Pour faire sortir l'exhortation. Tu peux faire sortir l'exhortation. C'est très important. Parce que la prophétie est à elle. Pour être ça, pour les alisons. Et sa lampe. Et sa mouinda. Et pour elle, pour protéger. Elle saura te protéger, bien-aimé. Même le témoignage à Christ. Attends, il t'a tourné sur Christ. Et l'esprit de la prophétie. Et ça, c'est mon lit, moi, il y a les sacolis. Amen. Ah, c'est très important que c'est très important. Moi, que tout enfant de Dieu maîtrise la prophétie. Et qu'on protège. Et cela va le protéger. Diable a. Parce que le diable s'amène avec un faux enseignement. Il amènera un faux enseignement. Parce qu'il sait que si tu t'attaches au faux enseignement, tu ne seras pas enlevé, bien-aimé. Le diable le sait. Et à se déguiser comme l'ange à lumière. Puis à Zoakalo, l'ingénieur dit à moi, je lui appelle. Pour chercher à aveugler le cœur. C'est pourquoi tu dois remarquer. Journal. Quelqu'un peut prendre le journal. Il peut le lire en rien du temps. À tes ans, à 8 pages. Même si le journal a 8 pages. Roman. Il peut prendre un roman. Un grand roman. Ça pendant un jour de vie. Termine le roman pendant un jour, deux jours, cinq jours. Vous suivez attentivement. Il peut être devant la télé. Azola la conquête. Il ne dort pas. Comme un dans le premier match. Depuis qu'il a gardé le premier match. Deuxième. Troisième. Troisième. Alors il suit ma match où il est kaki. Il cherche à programmer. Quand est-ce qu'on l'a programmé? Parce que dès qu'ils t'ont. Parce que comme nous sommes là. Donc la coupe du monde est zoya. Comme la coupe du monde arrive. Matoumoussous même 2 heures. Quoi nous allons aller là. D'autres personnes même 2 heures ils seront là veille pour suivre des matchs. Mais à quoi ça fait la. Mais ne parviens même pas à prier chez lui à la maison. Mais pour le match premier. Mais pour le football le sommeil cesse. Fais de l'éternel tes désirs. Salut à mes disciples et à yo mon ingami. Il te donnera ce que ton cœur désire. Viens couper ça dans mon cœur manaïe. Mais comment est-ce que je suis potent? Mais tu vas voir si tu prends la Bible pour lire. Au bandota, tu commences à lire. Balamoko. Pongi. Et directement le sommet arrive. On sait le programme na motanga livre à Jérémie. Tu fais le programme, je lirai tous les livres de Jérémie. Au bandi. Et tu commences. Au bandi. Chapitre premier. Chapitre 2. Balamoko. Affaire, mon boy! Tu n'as pas une affaire, tu es sur moi. Je vais lire le soir quand je vais retourner à la maison. Yo, okay. Tu parles. La pauvre père, et le soir, tu ne liras pas non plus. Tu ne sais pas que c'est un combat du diable. Et éviter que ça me tombe à Satan dans la mort. Le diable n'aime pas qu'on puisse lire. Satan a dit qu'il a été tout à ma commis aux hommes. Il n'aime pas. Il n'a pas été à mon quête. Parce que si tu lis l'écriture, tu seras ajusté dans les choses. Tu vas bien les répéter. Ne parle pas, c'est la convaincre. Tu ne seras pas non plus sauvé. C'est ça son combat. Il y a un bitumba occupation. Il peut te donner beaucoup d'occupation. Mais pour te faire manquer l'écoute ou la prédication. Mais il faut être très prudent. C'est ce que nous allons. Fatigue ma case à nos sangs. Lorsque tu vois une forte faiblesse.
faiblesse t'abatte. C'est dans ce moment-là que tu vas prier. Sache que l'ennemi a un mauvais programme. Quand tu sens le découragement, que tu sens que tes paroles deviennent légères, tu commences à prononcer du n'importe quoi. Comment mettre dans la macabre pamba? Quand les causeries sont vaines, c'est alors qu'on va te trouver là-dedans. Il faut rentrer dans la prière, frère. Il faut que tes paroles soient assaisonnées de sel. Retourne à la prière. Sors dans ma bonne délire, maman. Les diables te font quitter devant la présence de Dieu. Cherchez à accomplir son mauvais dessein sur ta vie. Il sait que la prière est renversée à ma camoune. Et quoi, il sait que ma camoune est yamine. Même nos frères dans la chair qui sont incrédules, prières n'avaient pas été tes prières, ils s'en bénéficient. Tant que le Seigneur batte là, il bota. Seulement quand tu prononces garde, garde. Et ça, ça. Ces prières, cette prière la fonctionne. Et les malins, ils ont été aux temps. Et les malins n'est pas que tu prennes du temps. Il y a encore remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Le Seigneur a une manière où il peut te réveiller dans ces choses. Il crée en toi les besoins de te soulager. Parfois vers 2 heures. Parfois vers 2 heures. Pour que si. Le sommeil s'arrête. Alors tu te soulages. Lorsque tu rentres. Sache que le Seigneur ne l'a pas fait en vain. Il ne l'a pas fait en vain. Soit à 30 minutes. De la prière, frère. Prie. Sors-le-là. Après, et après, tu vas retourner dans ton sommeil. Le Seigneur ne l'a pas fait en vain. Il faut cette vie. Et fin dans la catina. Il faut que cette vie demeure en toi. Dieu te bénisse. Donc, c'est que la catina va totalement. C'est que dans tout cela, nous avons seulement vu. Donc, continuer à qui caca tout simplement parce que nous avons clôturé déjà. On avait continué parce que nous clôturons. Donc, il y a totalement que les 300 hommes. On voulait seulement montrer que les 300 hommes de Gédéon. Mouvement à Bamoun, nous sommes à travailler. Qu'ils aient dit, pas qu'ils ne qu'on détruire. Roi Zeb, non, roi Horeb. Donc tout leur mouvement c'était pour détruire les rois Zeb et Horeb. Moko Nicolo et Rocher. L'un sur le rocher. Rocher est allé sa royauté. Le rocher représente la royauté. Moko na pressoir. Et l'autre au pressoir. Pressoir est si ka vigne et vimaka. Le pressoir d'où sort la vigne. Et Zota Lissa, on était même méga vin. Et ceux qui parlent du vin. Et Zota Lissa comme faux prophète. Et qui représente le faux prophète. Donc il y a un état au monde en Ossé dans l'Apocalypse. Et c'est ce que nous voyons aussi dans l'Apocalypse. L'œuvre Oyoyo, les trois prophètes Bazana et Angon. L'œuvre que les trois prophètes ont. Il y a un des Anakatia 100, 100, 100. Et c'est ce qui est dans les trois groupes des 100 combattants des généraux. Parce que les gens qui sont classés, parce que c'est tel que les choses étaient classées. Parce qu'il y a 100, 100, 100. Ils étaient trois groupes de 100. Mais Gédéon avait pris qu'un groupe de 100. Mais Gédéon n'avait pris qu'un seul groupe de 100 combattants. Donc, ils étaient 100, 100. Ils étaient mis balais ensemble. Donc, 100, 100. Les 100 étaient ensemble. Ils ont dit que le signe arrivait à 10 jours. Et cela représentait les signes de la venue de deux témoins. De parce deux que les prophètes ont charré sa cavalerie. Pour être témoin, Samuel a dit qu'il galopait. Donc comme ils sont là, avec les trompettes, ils ont confirmé qu'ils sont maintenant dans le sixième saut. Cela nous confirme maintenant au sixième saut que c'est par des trompettes. Et Zali n'a pas de il y a ma prophète. Des prophètes. Et Zambé Ako Nikisa Mabene Pedikolo. Que le Seigneur ébranlera la terre et le ciel. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que dans quatre nayango, c'est que dans tout cela, tant aux uns qui chiffre 100, lorsque nous avions pris les chiffres 100, totalise qui la vie d'Abraham. On avait montré la vie d'Abraham avec Dieu. Nanzambe, Zamba soit qui est à 75 ans. Le Seigneur l'avait pris à l'âge de 75 ans. Sokozui, Genèse 12. Si tu prends Genèse 12. Et Sokozui est à Genèse 25. Et dans Genèse 25, Akufan a 175 ans. Abraham était mort à l'âge de 175 ans. Donc, Atam Bolana Zambé 100 ans. Donc, Abraham a marché avec Dieu 100 ans.
Mais Abraham na kati na ye azana rôle ce qui ennemi a eko dominer Israël. Mais Abraham a dans lui a pour rôle si l'ennemi vient dominer Israël. Abraham les chassa. Abraham a coupé na bambou. On voit le mouvement dans Genèse 15. Vous voyez le mouvement qui est dans Genèse 15. Dans Batia qui baniama a kati angwande l'un vis-à-vis de l'autre. Lorsqu'il avait partagé les animaux l'un vis-à-vis de l'autre. Baniama na kata ki ngwe terisaka la maison d'Israël. Et ces animaux partagés représentaient la maison d'Israël. Dans la maison d'Israël, c'est pourquoi l'autre partie était restée avant la traversée du Jourdain. Et l'autre était restée après la traversée c'est du Jourdain. Vis-à-vis de l'autre. Et ça manque en Angamba. Mais les oiseaux des proies venaient le combattre. Donc ma nation était Babylone. Les nations comme Babylone. Perse. La nation va combattre. Dans toutes les nations qui venaient le combattre. Dans l'image de Genèse 15. Dans l'image de Genèse 15. Les oiseaux des proies. Mais les commandes Abraham les chassa. Mais il est écrit Abraham a béni la délivrance à Israël. Cela veut dire la délivrance d'Israël. Zambatala ka alliance na yena Abraham. Le Seigneur regarde son alliance faite à Abraham. Pour longola ki bumbu. Donc pour ôter la servitude, il faut Abraham les chasse. Il faut que ce soit Abraham qui chasse. C'est ça les chiffres 100. Il y a monté côté. Que Dieu bénisse. Amen. Dans autant d'écritures, nous avons aussi ça. Nous lisons une écriture pour terminer. Ésaïe 62, verset 1er. Ésaïe 62, le verset 1er. Parce que Bazalaki n'a pas flambeau, mais Zaki n'a pas de criche. Pour nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour l'amour de Sion, Sion, je ne m'éteirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son sali paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Donc flambeau qui s'allume, c'est la délivrance de la maison d'Israël. Alors Gédéon avait donné des flambeaux qui étaient dans des cruches. C'est les jugements contre ma nation, contre les nations, mais c'est la délivrance d'Israël. Dieu bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur te fasse beaucoup de bien, bien-aimé. Et allons-y, Seigneur, dans ma bitoumbanion son. Et te fasse vainqueur dans tous tes combats. Le bon qu'on a zambé, kambayon à kimianion. Que la paix du Seigneur te conduise en paix. C'est pourquoi en ce moment nous allons prier. Nous nous recommandons d'abord entre les mains de Dieu. Seigneur, Nabi qui est vraiment ta droite. Seigneur, que je vive vraiment ta droite puissante. Nabi qui est la ilonga na yo zambé na bien nomo roi. Que je vive ta victoire, oh. Othélémi. Tatola na nos victoires na kombo na Yesu Kristo. Témoigne la victoire au nom de Jésus. Beomona ya mona kat na bomo inayo. Et que tu puisses le voir aussi dans ta vie. Na makambonyo be. Dans tout. A quoi couper sa solution? Que le Seigneur puisse donner des solutions. Et tant que zali ko sambela. Et lorsque tu vas prier. Ko doutete. Ne doute de rien. Jésus Christ est avec toi. Yesu Kristo azali na yo. Ko tala monene ya problème te. Ne regarde pas la grandeur de ton problème. Regarde la grandeur de Dieu. Mon nom, c'est le nom de la lumière. Mon côté Seigneur. Personne n'est comparable à toi, au Seigneur. Droite na yo ezali si haut élevé. La droite est si haut élevée, Seigneur. Nazali kota to la kumbu na yo zambe na boko. Témoigne ton nom, Dieu vivant. Guyana yo ezali boli na solo puissance. C'est ta puissance qui est la véritable lumière. Gloire na yo ezala manifester. Que ta gloire soit manifestée, oh Dieu. Droite na yo zambe na biyano. Que ta droite, oh Dieu. Yango etali sama na yango sauveur. Se manifeste, oh Dieu sauveur. Réponds-nous, Seigneur Jésus. Yango la biso Jésus Christo. Que pour moi il n'a pas de fou, moi, ma Seigneur. Que la vie des gens, Seigneur, s'épanouisse. Ma chaîne n'y a pas de que toutes les chaînes tombent. Et puis,
publicitaire, il y a Botumba, il y a ma mensonge, il y a l'okuta, il y a orgueil, il y a l'olendo, il y a cupidité, il y a l'okoso, il y a papa, il pépignonce, il y a l'olégnonce, il y a tout vent des ténèbres, piston, échoué au nom de Jésus-Christ, échoué au nom de Jésus-Christ, la maladie est scellée au nom de Jésus-Christ, la maladie cède la place dans nos corps, et Zika, guérison Jessica, que la guérison prenne place, au nom de Jésus-Christ, na compone Jésus-Christ. Grâce n'a été l'issama la yambo. Que ta grâce est manifeste, oh Dieu. Le bon qu'on a eu délivrer la vie de mon frère. Que ta main délivre la vie de mon frère. Et délivrer la vie de ma soeur. Que ta main délivre la vie de ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'a compris à vous, Jésus-Christ. Que ta grâce. Gouna yo. Et ta issama la yambo la yambo. Que se manifeste en toutes choses. Qui n'y a la yo et mon issama la yambo sa bena bon mot. Que ta paix se manifeste en Dieu. Et si quand les voisins qui a coupé, là où mon frère est débranché, pardonne sa vie. Lui sa mort, mais ça y est, ma casse à sa vie là. Donne-lui la force de te servir. Et si ta soeur a zané qui a coupé, là où mon frère, ma soeur était tombée, pardonne Seigneur. Lui sa mort, mais ça y est, ma casse à sa vie là. Donne-la la force de te servir. Restaure sa vie. Bon, sauf qui sa mort, il est de la qui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous avons Amen. Amen.